Donc, on va passer une petite heure ensemble. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous exposer. I'm sorry, Martina, I'm speaking in French, but I'm sure you understand what I say. I'm just explaining to my French colleagues what is the main purpose of this meeting. I speak in French, and then when few people will attend the floor, I will let you speak in English. I am sure everybody is will be able to understand you. And if any problem, we are many of us will be able, I'm sure, Marie Clarté and so on, to translate if necessary, if we have questions who are difficult to understand. But de cette journée, de cette petite réunion, informer les membres français du déroulement du congrès à Prague dans un but incitatif. Dans notre esprit, il est important, intéressant que de nombreux Français participent et se joignent physiquement ou par Zoom à cette réunion de Prague, qui est quand même un temps très important de l'ICOM. You understand, Gina and Martina? Oui, Gina parle parfaitement français. Mais Martina, I'm just speaking to my colleague, but one of the aim of this meeting is to give our colleague that they won't come to Prague or to reach the conference by Zoom. Ça, c'est un premier but. Donc, on va parler de la conférence elle-même. On va parler de ce que la délégation française a déjà prévu à Prague. Et on a déjà pas mal de choses qui sont prévues. Et Martina nous rappellera dans quel tempo ça s'inscrit. On a des réunions françaises. Ensuite, on a un pot d'accueil de la délégation française, comme on a finalement toujours quand on arrive. Et puis, on a des enjeux. Et c'est de ces enjeux que je voudrais que nous puissions discuter ensemble, au moins un petit moment de cette réunion, même s'il n'y a pas assez de gens pour ça. Il y a au moins deux enjeux. Un, je suis navrée de le dire moi-même, ce n'est pas très agréable parce que j'ai l'air d'un plaidoyer pro domo. Comme je présente au consultatif, c'est important que vous le sachiez et que éventuellement dans vos comités internationaux, vous contribuiez à cette élection qui n'est pas la mienne mais quelque chose d'une position française dans les instances gouvernantes de l'ICOM, et vous savez qu'on n'est pas suffisamment présent dans les instances de gouvernance de l'ICOM, donc il y a un vrai enjeu à ça. Et la deuxième chose, plus importante encore à mes yeux, tout aussi importante, c'est que de nombreux Français participe et essaye de rejoindre les bords des comités internationaux de l'ICOM. Plus on avance, plus j'avance dans ma connaissance de l'ICOM, plus je mesure à quel point les comités internationaux sont le cœur vivant de l'ICOM, plus je mesure à quel point la gouvernance de l'ICOM s'appuie sur les comités internationaux et sur des groupes de travail qui ne sont pas formés d'élus, ou les modes de désignation sont plus complexes, et on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, la réunion, elle vise aussi à vous dire, s'il vous plaît, suivez l'actualité des comités internationaux. On n'arrête pas de la renseigner sur le site d'ICOM France. Suivez-la, regardez où vous pourriez éventuellement prendre des, vous intéresser, vous relier, prendre des positions et demandez-nous conseil si vous avez des doutes, des hésitations. On est là pour ça. Gina, je vois, approuve ce que je dis. Alors, il y a ici plusieurs membres de comités internationaux. Marie Clarté préside CECA. Sophie Arand est, je ne sais plus, trésorière. Tu es trésorière de
secrétaire pardon, de l'ICFA. Qui d'autre est là? Il manque un certain nombre de gens que je ne vois pas forcément. Hélène, il faut que tu rentres dans un comité. Jacques, tu es toujours dans un comité international. Je ne vois pas tout le monde, donc je peux rater des choses. Mais comprenez que de notre point de vue, de mon point de vue, c'est essentiel. Alors, on aura bien l'occasion d'en reparler. J'espérais qu'on serait une petite centaine aujourd'hui, mais on en est loin. Donc, si vous voulez bien, pour ne pas faire attendre nos amis de République tchèque qui étaient là avec une grande ponctualité, je commence par passer la parole à Martina, Gina, Christina, pour nous présenter le programme. Vous avez compris, pour ceux qui sont arrivés après, c'est en anglais. Si vous avez besoin qu'on vous le traduise, vous mettez dans le chat sans hésiter ce que vous n'avez pas compris et on vous fera une belle traduction. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont fluentes dans cette salle et qui se feront un plaisir de vous faire de la traduction. J'annonce quand même tout de suite, et on y reviendra à plusieurs reprises, que vous devez retenir votre dimanche soir pour la réception de la délégation française aux Galeries nationales de Prague. Je pense que Martina va le confirmer. Où il se tiendra une exposition du Centre Pompidou. J'en ai déjà parlé avec Laurent Lebon. Très content qu'on aille là. J'espère qu'il nous fera l'honneur de sa présence et de sa visite. Ça n'est pas encore confirmé. Mais notez déjà qu'il est bien que vous arriviez dès le dimanche pour pouvoir participer à notre réception de la délégation française, où traditionnellement nous invitons toute la francophonie, tous les pays francophones, et nos amis. On invite un certain nombre de comités européens ou des comités où nous avons, avec lesquels nous avons des liens particulièrement étroits et chaleureux. Donc, retenez déjà cette date. Martina, je vous passe la parole. You have the floor. Mathieu, thank you. Yes. Martina and Gina and Christine. Yes. Thank you very much. I will share the screen and just... Oh, please, could you enable me share the screen? Someone. Just wait a minute. Just 1 minute. Yes. And then I open the presentation and Gina will follow. Yeah, great. Yes, so I hope all of you see the presentation. And I would like to also, it was already told, but I would like to introduce our, the chair of ICOM Czech Republic, Gina Renotier, who will start our presentation about the preparation of the 26th ICOM General Conference that will be held in Prague this year. Gino, microphone. Ouais. Micro Gina, micro. Michael. It does not work. It does not work, Gina. Maybe Martina, you can go on until Gina will. Oh, okay, nice. Now it's okay. Maintenant ça va, oui. Allô? Ça y est, ça marche. Ah bon. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de être avec vous maintenant et parler français un peu, de petites informations sur notre préparation de 26e conférence générale à Prague.
D'abord, me permettez une petite point historique qui est très important pour nous, car au début de notre histoire, en 1946, c'était la Tchécoslovaquie qui a figuré parmi les 14 membres fondateurs de ICOM. Et le comité tchèque a été créé en 1994 après la division tchécoslovaque en tant que successeur du comité tchécoslovaque de l'ICOM. Je voudrais aussi mentionner que si on parle d'histoire de ICOM tchèque et ICOM on dit mondial, dans l'élaboration de la muséologie européenne et mondiale, les muséographes tchèques ont joué un rôle considérable. Jan Jelinek, professeur de l'université Mendel à Brno et anthropologue, a été président de l'ICOM mondial au niveau du monde de 1971 à 1977. Sous sa direction, le Conseil international des musées a été lancé, de même que la Journée internationale des musées, qui est commémorée chaque année dans le monde le 18, autour de la date 18 mai. Une date qui n'a pas été choisie au hasard, car c'est celle de l'inauguration solennelle du Musée national à Prague en 1891. On sait que l'ICOM organise une conférence générale tous les 3 ans réunissant des milliers de musées du monde entier, associant des conservateurs, restaurateurs, gestionnaires, etc., etc., dont le but d'établir de nouvelles normes et de définir de nouvelles tendances en matière muséale et culturelle, dans un cadre de partage de connaissances et de projets. La Tchécoslovaquie a déposé sa première candidature pour préparer la conférence générale en 1962. Alors, vous voyez, ce 60 ans d'efforts et de la préparation et envie d'organiser cet événement chez nous, en République tchèque. Et finalement, en août 2022, on est là pour accueillir nos collègues de tout le monde. Cette année, la conférence générale de l'ICOM aura lieu pour la première fois alors à Prague, du 20 au 28 août, prenant aussi le relais de la capitale des musées après Rio de Janeiro au Brésil 2013, Milan en Italie 2016 et Kyoto au Japon 2019. Dans la préparation de la conférence générale, nous avons été confrontés à des obstacles majeurs, non seulement en raison de la longue période de restriction de l'incertitude imposée par la pandémie due au COVID, mais aussi depuis peu à la guerre en Ukraine. Malgré tous ces obstacles, nos préparatifs ont été achevés avec succès et nous préparons un programme unique, riche et varié, susceptible d'intéresser l'ensemble des participants. Le thème principal de la conférence générale cette année est le pouvoir des musées et mes collègues Martina et Christina certainement parlent plus de ce sujet-là et des différents thèmes. Mais en plus de conférences générales, des panels, des centaines d'ateliers, des tables rondes et des excursions, la conférence générale de l'ICOM offrira un panel exceptionnel, attendu par beaucoup, traitant d'une nouvelle définition du monde, des définitions du musée. Depuis plusieurs années, le débat sur la définition du musée se poursuit entre des experts. La définition actuelle est en vigueur depuis 1974 et a été adoptée à une époque où le président de l'ICOM était aussi professeur Jelinek. Oui, vous pouvez voir sur la photographie aussi la place où la conférence générale va apparaître. C'était à Prague, la ville étant en soi un plein musée en plein air, que donc 40 sites disséminés dans notre belle partie par des excursions, mais aussi dans cette palais des congrès de Prague que vous voyez sur les photos. C'est l'un des plus grands bâtiments de la capitale tchèque et bénéficie d'une magnifique panorama. On a choisi vraiment la place qui va vous donner, vous, les visiteurs de Prague, une belle vue sur notre capitale. Il fait partie des plus grands palais de congrès d'Europe et peut accueillir jusqu'à
9300 visiteurs, dont plus que 50 salles, salons et salles de réunion. La plus grande salle du palais est la salle de congrès, à une capacité de 10 764 places. Voilà, et je pensais qu'on va aussi parler de cette rencontre francophone, si vous me permettez ou non. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'événement qu'on a déjà mentionné, c'est le 21 août, dans la petite salle du Palais des Expositions. Vous voyez sur la photo le Palais d'Exposition, un bâtiment d'une partie à Prague qui s'appelle Holešovice, l'un des premiers des grands bâtiments fonctionnalistes de Prague. Il était destiné aux foires commerciales. Plus tard, c'était le siège d'entreprise de commerce extérieur. Aujourd'hui, le Palais des Expositions est le siège de la Galerie nationale de Prague qui abrite une exposition permanente de l'art du XXe et XXIe siècle et notre espace d'exposition. Le bâtiment est un monument culturel immeuble depuis 1958. Et là-bas, justement, on a fait une réservation dans la petite salle pour événement, une rencontre de francophones et des amis voilà, autour de ça. Car vous certainement savez que la France assure la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois et à partir du 1er juillet, c'est la République tchèque qui... Ezerpovicek assumera la 27e présidence, c'est-à-dire de l'Union européenne. Et un grand projet qui s'appelle MOVE va être présenté justement dans la National Gallery, en collaboration avec le Centre Pompidou à Paris, et présentera une année extraordinaire du festival MOVE. À partir de 10 juin dans la Grand Hall du Palais des Expositions, justement comme je parlais à l'occasion des présidences françaises depuis tchèque du Conseil de l'Union européenne. Pour vous informer plus détaillement, le projet explorera des questions d'intimité de son affichage à travers des connexions et un dialogue entre les artistes et leur travail. Le thème principal de cette année sera l'intimité que les artistes exposent, verront dans le contexte des idées de la fin de l'année 60. Et la commissaire d'exposition est Caroline Ferreira, responsable du pôle manifestation l'art et société, services culture et création au Centre Georges Pompidou. Et justement, pas loin de cette exposition, nous voudrions accueillir une rencontre francophone dans un vraiment lieu symbolique qui peut aussi offrir des possibilités de participer à cette exposition-là. Alors, c'est de mon côté tout. Et vraiment, je suis très, très reconnaissante et merci beaucoup pour cette possibilité de parler avec vous de notre préparation de la conférence générale. Et nous espérons tous vous accueillir à Prague. Merci beaucoup. Yeah. Merci Gina. Merci Gina. Et ben moi, je suis ravie de voir cette image parce que je sais donc qu'on ira à la National Gallery de Prague, mais je n'avais pas vu encore le lieu où cela se situait. Donc voilà la bonne nouvelle. Merci. Martina reprend la parole, yeah, peut-être. Je voudrais encore introduire ma chère collègue Martina Lemanova, qui est directrice du bureau de la préparation avec sa collègue Christina Haikova. Et merci beaucoup pour leur effort. Merci, Martina. So,
So thank you very much. I will continue in English, and I'm really very happy that we can have this meeting today, because you know France is the country where ICOM was born, and it's really wonderful place. So I'm very happy that we can today speak to you and explain a little bit something more about the preparation of the ICOM General Conference. I just would like to add one small thing that maybe is also interesting for you about the palace you see on the screen, because the Fairtrade Palace, as the chair of ICOM Czech Republic, Gina Renotier, already introduced the building, so is now used by the National Gallery. It used to be a trade fair palace, and when it was finalized, it was 1924, even the French architect Le Corbusier decided to come to Prague to see this building, because at that time he had wonderful contacts with the Czech architects, and they exchanged their ideas, their minds. And when this was finalized, so the Czech architects invited Le Corbusier to see it, and he came and he said many wonderful words about this building. So this is another reason why I'm so happy that you will come and you will have the very special event in precisely this one building. But I'm supposed to speak mainly about the ICOM General Conference. So I think that Juliet already knows very good, but maybe not all of you. I would like to introduce a little bit also the graphic design so that you can understand the visual identity we are using. As the previous ICOM conferences, we prepared a logo. You can see the letters of the logo, ICOM. And we also, after the discussions with the graphic designer, so we decided to make the not only the logo, but the whole visual identity. And as we were discussing how the visual identity should look like, so we always focused on our collections. And the graphic designer decided to choose the most important and the best, most iconic objects from the collections of the Czech museums. And he started to play, let's say, to play with them. And you can see on this slide the photo of the very famous children's toy. It's a Tomcat Liba. You can see how the graphic designer is working with this. There is the Tomcat, and he made a colorful shadow from this and used many other of these motifs on the in the visual identity. You can see the motifs also on our website. Please notice this, prague2022.icom.museum. What is really very important also for you, that we prepare the information that are published on the website in four languages: English, French, and Spanish. These are the three ICOM languages. And because the ICOM General Conference is going to be held in Czech Republic, so the fourth language is the Czech language. So you can very easy go through the webpage, learn everything, study everything from our program, and you can read it in French language. That I'm so very happy about this. And in the program, I would like to focus your attention on the program, where you can see anything about the scientific part of the program, and then events and excursions, where you can find social events like an opening party, a flag relay party, museum night, and above all, excursions. And I really would like to focus your attention also on the excursions, because we prepared many of them for you. If you would like to, you can also follow our social media, the Facebook of ICOM General Conference, and also the Instagram. There you can find new information and also information about Czech museums, etc., etc.
What is very important, so the ICOM General Conference Prague 2022 will have a hybrid format. This is something we really had to prepare. We started to work on this very hard when the pandemic of COVID came. And I have to say that, you know, like last year or the year before, we even thought that it will be the only chance to meet together. Fortunately, the situation with COVID is now better. The Czech Republic doesn't make any restriction to the people to come to Czech Republic. And the situation with COVID is really, let's say, very nice in Czech Republic, because we've got very few examples or very small amount of people who suffer from COVID. And in Czech Republic, the situation is really, really very good. So you don't need to be afraid from this illness. And the arrival to Czech Republic is really very easy. But back to the hybrid format. Anyway, if you feel that you don't have time or anything to come, you can join us on the online special conference platform that is called GCon. And if you already participated on the international symposium that we organized in Prague last year, in August 2021, so you are maybe already familiar with this platform. And if not, just find ICOM Prague 2021.gcon.me, and there you will find the system, and you can see how it works, etc., etc. The this platform is very easy. The one that we are going to use for the ICOM General Conference is much more complicated because the program is really very complicated. And here you can have the overview on the program. If you would like to see it again, so it's this slide is made from a print screen of our website, and you can all go on the website, program schedule, and there you can find day by day the how the program goes, and you can find there almost everything, even the special like special events of the national committees and international committees. These are in the light yellow boxes. And here is an overview of the program. We start on Saturday, the 20th of August, and the weekend, Saturday and Sunday, the 20th and 21st of August, are focused on the meetings of executive board members and advisory council members. So unfortunately, Juliet, I have to tell you that on the 21st of August, you will have to spend the whole day in the Prague Congress Center, but your colleagues, they can enjoy Prague, and they can apply for the guided tours Discover Prague we prepared for the participants. But on the other hand, I have to say that there are not so many places left in the guided tours, that the interest is really very high. But now I would like to say some words about the main program, the 22nd, 23rd, and 24th of August. All the scientific program in these days will be held in Prague Congress Center. You already saw the pictures of Prague Congress Center, and it's not only very nice location, speaking about the view on Prague, but it's very close to the Prague city center. That is, and it's also something what I'm very happy about this. The scientific program will start on the 22nd with the opening ceremony, some panel, keynote speaker, panel discussion, etc., etc. And the other days, the same program will follow. On Wednesday, the 24th of August, will be held the General Assembly and Extraordinary General Assembly. And as our chair, Gina Renotier, already told,
during the General Assembly and Extraordinary General Assembly, the approval of the new ICOM museum definition will be done. So I'm really very looking about this, and I hope that the people will say, oh yeah, that's the Prague museum definition, Prague ICOM museum definition. So I hope it is. Every day on the 22nd, 23rd and 24th of August in the evening, we organize some social program. On Monday, the 22nd, there will be an opening party in the National Technical Museum and National Museum of Agriculture. Tuesday, the museum night will be held in 12 museums in the center of Prague. And among the museums, I can mention the Museum of Decorative Arts in Prague, Jewish Museum, or the very new museum, or the newest one in Czech Republic, Kunsthalle, and all of them are very close to each other. We've got, for the Wednesday, 24th of August, we prepared the ICOM flag relay ceremony. And it's a very, it's a like special one, or it's a like change, we a little bit changed the program because of the having the online online part of the program. So this ICOM flag relay ceremony somehow substitutes the closing party that you are maybe used to. So we are having not the closing party, but we do have the ICOM flag relay ceremony, and our chair Gina Renotier during the evening will give the ICOM flag to the organizer of the ICOM General Conference 2025, ICOM Dubai. The 25th of August is the day for offsite meetings. So it means that all the members of ICOM who are members of ICOM international committees will have the chance to enjoy a museum in Prague that is specialized for their topic. So if there is among you someone who is a member of NADHIST, so you will have a meeting in a national museum in Prague, and you will be focused on the permanent exhibitions and of the natural history department of the National Museum. And there will be also in the program visit of the storage of this natural history department. And I'm mentioning it because they just opened the new permanent exhibitions, and they are really wonderful, and I love them very much. If you are members of any other international committees of ICOM, there will be wonderful program for you as well. It's not it is not needed to have any doubts. The 26th of August is also a very important day because it gives you chance to learn something more about the Czech Republic, to visit other places than Prague. We prepare for all of the delegates of the ICOM General Conference excursions, 40 excursions. Most of them are one-day excursions, and few of them last 2 or 3 days. The excursions are included in the registration fee. Only the 2 or 3 days long excursions, it's necessary to pay some extra money for a special hotel. And 27 and 28th of August, it's again Saturday and Sunday, some of the international committees are already preparing their post-conference tours. I think that you should be also interested in the topic we are having. It's the power of museums. And you are for sure very familiar with this topic because it was also the topic for the International Museum Day that we celebrated last week. Why we decided to have this topic? We really were thinking about museums, and we were also thinking about the topics that the last general conferences had. And we had the feeling that it's necessary to speak and to start to speak about the powers of museums, to start the discussion that museums are very important places in our society, and not only places, but there are working people, and these people are so important for like gathering our, for like preserving our past and present
interpret it and share it with the public for discussion, for the present, or for future. And speaking about the International Museum Day, so Alberto Garlandini was introducing the first meeting of ICOM, and he told that the first meeting was organized by people who really strongly believe that museums have the power to make the world a better place. And this is what we think as well. And this was also the reason why we choose this topic, the power of museums. But this topic is also is really very, very wide. And we wanted to focus on certain subtopics. And these subtopics are museums and civil society, sustainability, museums and resilience, museums and leadership, that is done with a great help of Intercom. And the last one is museums and new technologies. Of course, even our ICOM General Conference will have the hybrid format and use the newest technologies developed during the COVID pandemic. Speaking about the subtopics, so I would like to introduce you also some of our keynote speakers. Here you can become familiar with Hilda Flavia Makabue. It's really very young lady. She was born 1997. So it means she is 25 years old. She comes from Uganda and she is an activist for environmental and civil rights. And as I tried to find in the history of ICOM, if there was someone so young as she is, and there has never been so far a keynote speaker on ICOM General Conferences that was younger than 25. So we also will show to our participants that ICOM is really progressive and also young. And I'm so happy about this. And I hope that you will be happy about this as well. But in our program, there will be also people who like who live for museums their whole life. And I'm very happy that Lonnie G. Bunch, the third, the secretary of the Smithsonian Institution, accepted our invitation. And he is ready to come to Prague to give his speech. And the speech will not be like the one-man show, but he will have a pretty nice dialogue with Hilary Carty, who comes from Great Britain. And they will discuss museums and their leadership, how important for museum is to have a good leader and how the leader could influence the museum institution. And I would like to introduce you also Sebastian Chen, or let's say Seb Chen. He is from Australia. He works for ACME in Melbourne, and he specialized himself for new technologies and their use in museums. And maybe you know him. He belongs really among the greatest museum professionals. And he also, a short time of his life, lived in the United States, and he was responsible for the transformation of the Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum in New York. Yeah, and now I would like to give the word to my colleague, Kristina Hajková, so that Kristina could continue and introduce you something about the international committees and other parts of the program. So, Kristina, the floor is yours. Thank you very much, Martina. Hello, everybody. I'm a scientific program coordinator, so that's why I'm going to continue with more sessions, which are part of the scientific program. Firstly, you are interested also in the program of international committees. International committees are going to have their committees meetings on the 22nd and 23rd of August. We prepared three blocks for the international committees, so there is chance to see a lot of sessions, because during those three blocks we prepared about 106 committees meetings.
Then the 25th of August is going to be the day of offsite meetings. Mattia told you a lot about it in the previous parts of the presentation. So I just want to say that those offsite meetings are going to take place at the 19 museums in Prague and in the surrounding area of Prague. So every specialization of the international committee is connected somehow with the museum they're gonna be located for this day. Next, please. Thank you. This is my part of the scientific program, the sessions, network meetings of the region, alliances, affiliated organizations, working groups, and standing committees. We're going to have 18 of those sessions. You can find all of them on our website, because maybe you're going to find something you're interested in, or you are part of some region, alliances, or working group. So on 22nd August at 14, you can be part of those network meetings. Yeah. Yeah, and I also found that ICOM France is, of course, part of one joint session during the network meetings. As you can see, you are coordinating with ICOM Arab, ICOM LAC, and ICOM Europe this beautiful session. You can find it on our website. When you go through the program, the network meetings, and there is just like National Committee ICOM France. And if there are going to be like more of those sessions, you can everything find in this file. So it's pretty nice connected with our website. I think you can like find really everything there. We're just like telling you where it is. Next, please. With the ICOM USA, we prepared a traditional memorial lecture. This lecture will be on 22nd of August and will be dedicated to the topic of LGBTQ plus museums. You can already see our host, and I think it will be very interesting and we can like find something very honorable in it. Yeah. Next, please. As Martina mentioned, we are trying to be open also for us young museum professionals. So we prepared a session called a mentoring session, which is based on five thematic tables, which are coordinated by international mentor and also Czech mentor. So we can also share our museological tradition in Czech Republic. So young museologists can sign for this program become mentees in their field of expertise. Next, please. And very actual themes. In every general conference, we're going to present new red list. For this year, we're going to present the red list for ICOM C, Southeastern Europe. But also the actual happening on Ukraine reminds us that we're going to also speak about protection of culture heritage during a war. So we prepared two sections
I would say it's sessions on the cultural heritage protection. It's going to be on the 21st of August. And Juliette, you're not going to miss it because it's after your sessions, councils and other session parts of the program. We're going to have these two sessions. We're going to present the ICOMC and then have a panel on the heritage protection in Ukraine. Next, please. Solidarity projects. This is an amazing project focused on the challenges that museum had during the COVID. The session will be held on the 22nd of August. And of course, ICOM France is contributed on this session, and Juliette is included in the Solidarity Project. Also, Corinne is included. So we are happy to host you also during those sessions. And next, please. Yeah, and very important information. The early bird fee was extended till the end of May, the May 3rd. 30 May. And so if anyone is not yet registered, there is chance till the Monday. And I would like to recommend you to register with the early bird fee. Okay, and we're just heading to the end. So it would be nice if we are gonna see each other in Prague in person. We are very looking forward to hosting you in Prague and to show you everything there. And well, thank you for your attention. Nice, dear colleagues, dear Martina and Christina and Gina. As you see, my dear colleagues, it's a very dense program. Forgive me. I'm going to speak in French, but I know you understand, and then question will be asked to you. Chers amis, puisqu'on est quand même majoritairement français, vous voyez ce programme qui est très dense, ça valait vraiment la peine de demander à Martina, à Gina, à Christina, qui comprennent ce que je dis, de nous le présenter pour que vous puissiez un peu vous situer dans ces sessions qui se chevauchent quand même beaucoup. On ne peut pas, je crois, assister à tout, donc il y a des choix à faire, et je crois qu'il y a des choses qu'on pourra faire ensemble. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a, vraiment c'est un congrès important. Vous vous souvenez qu'à Kyoto, il y avait une ambiance qui était un peu tendue. Tout le monde attend de cette session à Prague qu'elle soit celle de l'apaisement. On va rediscuter de points importants, on va rediscuter du plan stratégique, on va rediscuter de la définition du musée, mais je crois dans une atmosphère de travail qui devrait se prêter à des discussions saines et à des discussions sereines. Vous le voyez. Et ensuite, je vous passe la parole pour que vous posiez les questions à Martina et à Gina et à Christina. Vous le voyez dans le programme qu'on vous a montré, on a pris, nous, Français, une place assez importante dans le programme. On a trois réunions qui sont vraiment pilotées par nous. La réunion sur le multilinguisme, qui était un sujet sur lequel on a travaillé de façon assez acharnée, d'abord sur la francophonie, ensuite sur le plurilinguisme. On a déposé une résolution, donc cette résolution sera soumise au vote. Do you understand me, Martina? Yes, it's okay. I'm speaking. I will translate. Cette résolution sera soumise au vote pendant Prague.
On n'est pas seul, on est associé à d'autres pays, naturellement. Vous les avez vus tout à l'heure à l'écran, on peut en reparler. Et on a aussi répondu à un appel d'offres financé par le SAREC dans le cadre de ce qu'on appelle l'appel d'offres solidarité, qui porte, qui consiste en fait en une enquête auprès de comités dits éloignés de l'ICOM, ceux qui participent jamais à l'ICOM en fait, pour essayer de voir quelles sont les raisons linguistiques et les raisons techniques qui les tiennent à distance de l'organisation. On est en train de lancer une enquête sur ce sujet avec là encore plusieurs évidemment comités nationaux et comités et alliances, les comités internationaux. On devrait avoir des résultats d'enquête à présenter le mardi après-midi à Prague. On a eu le résultat un peu tardivement du SAREC, mais c'est la règle du jour, on essaie de rattraper le temps. Et par ailleurs, je suis invitée à présenter le résultat de l'appel d'offres que nous avions également gagné en 2021, qui s'appelait Solidarité Musée, de quoi parlons-nous? Je présenterai ces résultats où on a eu plusieurs centaines de collègues de tous les pays qui se sont rassemblés dans un débat pendant tout le Covid, pendant toute l'année 2021. Donc on a des temps forts, on a des temps importants. On a, je le rappelle, pour ceux qui sont entrés dans la salle un peu plus tard, je salue Yves Winquin que j'ai vu arriver tout à l'heure, notre soirée d'accueil le dimanche soir à la Galerie nationale, où se tiendra une exposition du musée Pompidou. Voilà, donc des moments importants pour nous, des moments importants pour le débat international sur ce sujet. Nos amis tchèques ont appelé le pouvoir des musées, qui effectivement arrive à un moment précieux dans la vie de l'ICOM. On a aussi un temps de présentation du projet du SAREC qui a été remporté par le comité costume, qui est présidé par notre collègue française Corinne Thépeau. Donc il y a également le CECA, présidé par Marie Clarté, qui a une réunion de présentation de ses activités. Donc vous voyez, c'est un moment où on devrait avoir une possibilité de présenter notre activité au sein de l'ICOM, qui est une activité dont tout le monde, je crois, a considéré que ces six dernières années, elle avait été intense, elle avait été utile, elle avait permis de débattre sur de très nombreux sujets. C'est un moment important pour nous de présenter tout cela. Ensuite, dernière petite chose, on sera exactement au passage de témoin de la présidence française de l'Union européenne à la présidence tchèque de l'Union européenne. Et donc, à Prague, on sera dans un moment très festif, n'est-ce pas, Gina, autour de la prise de la présidence de l'Union européenne, festif, mais en même temps avec une grande gravité, puisque on est une Europe en guerre, hein, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas dans nos comités internationaux jusqu'à maintenant. Vous savez qu'on a été très, très mobilisés sur ces questions. Je pense que ça viendra. Même si ce n'est pas dans le programme, je pense qu'évidemment, cette question des relations avec nos collègues de l'Est de l'Europe apparaîtra à plusieurs moments du débat. Donc, c'est extrêmement dense, c'est très resserré en termes de temps, puisqu'on n'a que 3 jours à proprement parler de congrès. Le reste, ce sont des réunions plus, comment dire, conviviales, on va dire, de convivialité. J'incite vraiment chacun d'entre vous à venir, et la parole est à vous, posez toutes les questions que vous voulez à Martina, on traduira vos questions si vous les posez en français, et ou à nous, le bureau de l'ICOM est largement représenté dans cette salle. À vous la parole. Maybe I just saw the question in the chat. So if I may continue, there was one concerning the schedule I showed, and I
also, I'm again to disabled to share the screen, but it doesn't matter. If you are on the website and you click on the program, so there appear schedule. There appear the schedule, and if you click on this on the picture of the schedule, so you can download it in the PDF form, so in a higher quality, so that you can also read how the program is built and organized. Oh, and I think that and Christina already write it in the chat, and I'm very happy that also Corinne wrote some information about the activities of costume, that we are looking so much on them. Je vois que les questions ont un peu de mal à venir. Je ne vois pas de main qui se lève. Je rappelle aussi, I remember also, Martina, that it is the 75th anniversaire de l'ICOM. 75th. It's a birthday. It's an important moment for ICOM, for all the ICOM community, I think. Marie Clarté veut parler, Rachel Doucet qui vient. Je voulais juste poser une petite question toute bête qui était de dire à quelle heure enfin pour cette cérémonie française, si je puis dire, est-ce que nous recevrons une convocation particulière ou est-ce qu'il faut qu'on le sache et à quelle heure à ce moment-là? Bon, c'est pas une question toute bête, c'est une question qui est extrêmement important. Probablement ce sera vers 19h, ça reste encore un peu à affiner. Vous recevrez, on fera d'accord, une invitation. Si vous nous envoyez quelque chose, c'est très... elle sera prête avant la fin du mois de juin. Les puissances invitantes, il y a des dimensions de puissances invitantes dans cette invitation, donc avec l'ambassade, avec la galerie nationale, avec le centre Pompidou, seront invités tous les membres de la délégation française. Traditionnellement, on invite tous les francophones et bien au-delà, nos principaux partenaires dans l'ICOM. On peut accueillir jusqu'à, j'espère que je ne dis pas de bêtises, puisque tout n'est pas calé encore, mais je pense qu'on peut accueillir jusqu'à 150 personnes dans cette soirée. Donc, j'avais enlevé ma vidéo. On peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Donc, le carton d'invitation sera prêt dès qu'en fait les derniers éléments de préparation seront bouclés. C'est une bonne question. Rachel, merci d'être avec nous, chère Rachel. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, je ne mets pas mon micro, la vidéo, parce que je suis actuellement au Canada et il y a eu des tempêtes, enfin le système, tout le réseau électrique et tout est très instable. Donc, c'est pourquoi je ne mets pas la caméra. Alors, je profite rapidement pour remercier ICOM France, Juliette et les organisatrices de ICOM Prague, de nous accorder cette session, hein, où nous avons appris davantage sur cette magnifique conférence qui se prépare. Et je remercie aussi, évidemment, tous ceux qui sont là avec nous pour s'informer en même temps de ce qui est possible d'être fait. Alors, ma question porte surtout sur la participation en ligne, parce que je doute de pouvoir avoir le plaisir d'être en personne à Prague. Alors, il y a deux questions. Est-ce que la participation en ligne nous donne droit à aux trois jours de congrès? Et est-ce que aussi pour certaines réunions séparées, par exemple les réunions des groupes de travail, par exemple, est-ce que les salles sont munies d'infrastructures qui permettraient et la participation par Zoom à ces activités-là. Donc, deux volets.
les conférences plénières et toutes les grandes activités du Congrès et aussi les réunions séparées, est-ce qu'il y aurait possibilité d'y participer pour quelqu'un qui suit en ligne? Merci. Merci, Rachel. Martina, Gina, maybe this question is for you. I don't know if you have understood the question. Rachel asked if online conferences will concern all the online meeting, all the plenary sessions, and also the separate session between, I think, an international committee and a national committee. So Rachel asked you to precise what is proposed on the online sessions. So speaking about the online part of the program, so there will be like all the program that will be held in the Prague Congress Center will be held on the platform I mentioned on this GCOM. And you can visit there the opening ceremony. You can also, let's say, visit or participate on the joint sessions, on the main program, of course, keynote speakers, panel discussions, general assembly, everything what is going to be held in the Prague Congress Center, because there will be the technical equipment. We've got like 25 slots, let's say, for the joint sessions. So it wasn't very easy to find such a big amount of technique on one place, because every time you need a special camera, you need another parts of special technique. You need also the people who will provide that the GCON platform will work. So that's it. And for those who will not be able to come and participate on other parts of program, like for instance excursions, so we already prepared for you online excursions, not 40. Like for those who will come in person, only 3, but they are really very nice and they are introducing the best from Czech culture. Every time our UNESCO heritage, Czech glass, Czech castles, chateaus, and also one online excursion is about the sustainable development and how the museums, and about the question and answer as well, how the museum can influence the society towards sustainable development, and how the museums can participate in the discussion about the sustainable development, and how they can help the world to survive into the future. Merci beaucoup, Martina, pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait dit qu'on serait ensemble pendant une heure. Ça fait une heure. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez en tête? Des questions d'organisation matérielle? Des points d'organisation? N'hésitez pas. Oui, si vous permettez, Juliette, je voudrais maintenant poser la deuxième question. Ah, pardon, Rachel. Oui, oui. Je n'avais pas compris, excusez-moi. Oui, merci, Juliette. Thank you for your answer, Martina. And it's really great that we will have online excursions. That's a wonderful idea. Wow, thank you. Now, the question regards the separate meetings, like NC's meetings and working group meetings. Can the organizer, did you have some ideas about that in terms of letting people to participate online also to those meetings? Yeah, so I will give the word to my colleague Kristina Hajková, who is this is part of her agenda, the meetings of NC's, AC's. Well, 90% of those meetings you can join remotely because
the presidents of those committees decided if they're interested in the hybrid form or just on-site form. But you can already see which position they choose on our websites, because on every session we have in there on written if it's a hybrid format of session or if it's just on-site only. But like really 95% of those sessions are going to be also hybrid, and you can be also hybrid speaker, because I'm now working on the list of speakers by the region alliances and affiliated organizations and other committees, and they're also having hybrid, like offsite speakers. So we are really like connected on-site, hybridly, and everybody will see everything. And a very interesting and very great about the GCon is also that that every participant online or on site will have its own profile at the GCon, and you will have access to the GCon also 3 months after the conference. So when we are having slots where there's like 25 sessions on one time, you cannot physically visit every session on that time, but you can see it after for more than 3 months. You can visit it because those hybrid sessions are gonna be recorded and they're gonna be still in archive in the GCon. So like if you're interested in two or three or more sessions which are held on the same time, you can on-site visit one, or hybridly, or online visit one and be there like on time, and then you can just like see it like a movie. Merci. D'autres questions? Plusieurs membres de comités internationaux indiquent en ce moment dans le chat les réunions, dont moi d'ailleurs, les réunions communes éventuellement avec d'autres comités. Je crois que c'est un peu une caractéristique aussi de cette session. Beaucoup de comités se sont rapprochés pour avoir des sessions communes. Merci Sophie de rappeler que ICFA aura des sessions l'après-midi hybride aussi. Nous aussi, Simuzette et Camox, ce sera hybride. Est-ce que certains d'entre vous veulent donner des informations sur ce qu'ils sont en train de préparer? Marie Clarté, tu as donné une information sur ton comité. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Corinne, tu as donné beaucoup d'informations. Merci Corinne. Vas-y, Corinne. Oui, peut-être. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Juste pour dire que, en fait, nous avons été absolument submergés de demandes de communication par nos membres, ce qui était une bonne surprise, et que du coup, nous avons été obligés de dédoubler les séances que nous avait accordées le comité organisateur de Prague, et que nous serons non seulement dans le... Nous serons non seulement dans le centre de conférences et non seulement dans le musée pédagogique, qui est un lieu sublime, Renaissance, dans lequel nous avons notre off-site meeting. Nous avons non seulement ça, mais nous aurons également d'autres séances, certaines dans le musée pédagogique et d'autres même. Nous avons loué une salle dans un hôtel pour pouvoir avoir le nombre de communications que nous souhaitions avoir. Nous aurons à peu près une centaine de communications pendant la conférence, et bien entendu, toutes ces séances sont ouvertes à tous. Merci beaucoup Marie Clarté. Alors, on a lancé une petite enquête auprès de chacun des membres des comités internationaux en poste pour avoir une petite idée du déroulement du processus de renouvellement. Vous savez que c'est une année d'élection, donc
toute est élection, le board de l'ICOM, le board d'ICOM France, le consultatif, les comités internationaux. Donc, c'est un grand moment aussi pour se préparer, je l'ai dit en entrée de session, mais je le redis, pour se préparer éventuellement à s'impliquer davantage dans les comités internationaux. Marie-Grâce n'a pas pu être parmi nous, malheureusement, mais on lui avait demandé de faire un peu un point auprès des membres actuels dans les comités internationaux pour savoir quels étaient les calendriers des processus d'appel à candidature, puisque chaque comité a un peu son calendrier, ce qui ne facilite pas les choses, il faut bien reconnaître. Jusqu'à maintenant, on avait souvent les élections pendant la conférence générale, ce qui permettait quand même d'en savoir davantage, d'être un peu présent. Là, il n'y a pas la possibilité de faire les choses tout dans le même temps, mais nous essayons de vous informer au jour le jour et de mettre sur le site d'ICOM France, je veux dire là, toutes les informations que nous avons sur les comités. Je le dis et le redis, l'enjeu de participer aux comités internationaux est vraiment l'enjeu majeur pour nous, pour des collègues qui travaillent dans des musées, je parle des professionnels de musées naturellement, avoir accès à des collègues du monde entier par le simple fait qu'on est membre d'un comité international. C'est un atout irremplaçable. Enfin, ceux d'entre nous qui sont dans ces comités peuvent en témoigner. Ça change une vie professionnelle véritablement. Donc moi, j'insiste auprès de nos collègues, pas toujours avec le succès que j'espérais, mais on a quand même en France le plus grand nombre de membres qui rejoignent des comités internationaux. 2500 de nos membres sont dans des comités internationaux. Je parle là aussi de l'enjeu de prendre des positions dans les bureaux des comités internationaux, c'est-à-dire d'être aussi en position d'influer sur les thématiques qu'ils abordent, sur les réunions qui ont lieu tous les ans dans un pays ou dans un autre, pour faire avancer vraiment la réflexion sur un comité international. Et je pense qu'on a les moyens et ce serait dommage qu'on ne s'en empare pas. Ceux d'entre nous, nombreux sur ce plateau, qui participent à des comités internationaux, le savent. Il s'agit de le dire à nos collègues, il s'agit de le faire savoir à nos collègues. Voilà, moi je crois que si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. On a enregistré cette session, on va prévenir nos membres qu'ils peuvent réécouter tout ce qui a été dit, ils peuvent profiter de la présentation très précieuse de Martina, de Gina et de Christina. Je les remercie encore. Thank you very much, Martina, Christina and Gina, for your presentation. It was really very, very clear. Et regardez le site de Prague, regardez aussi le site d'ICOM France, puisque nous ne manquons pas de vous informer dès que nous avons nous-mêmes des informations nouvelles qui apparaissent. Je ne sais plus, Martina, si vous l'avez dit, mais il y a déjà beaucoup d'inscrits. Il y a déjà pas mal de monde qui est inscrit à Prague. Il y a 1700, you have 1700 people are already registered. Already registered. Okay. Yeah, okay. Yeah. So that's nice. You are happy, I think, with that. If you are not registered now, you have one week more to have the best prize, and not so many time to have a good hotel. Be careful, because Prague is a very touristic town, and in summer you will maybe have difficulties to find a hotel near the conference room if you have not booked it already. Yes, Martina? Yeah, if I may, so thank you for the mentioning the hotels. So there, we also negotiated with some hotels in Prague, and I'm very happy that, for instance, that there is one hotel like 200 meters far from the Prague Congress Center, and we negotiated, and it's 5 stars hotel, and we negotiated the price
94 euro for a night, including breakfast, etc. So it's really a wonderful price for a very nice hotel that is so close to the Prague Congress Center. And you can see the list also on the website, because if you would like to, so there is a like part of the web that is called Attend, and there you can find accommodation and look on the list of hotels that are proposed. You could use it, and in the registration form when you are in, so you can click on the hotel you have chosen, but of course you can arrange your hotel also on your own without the list and you can stay in other hotels than those who are on our list. But this is what I like wanted to share with you, because this five-star hotel is really very nice. It includes even swimming pool, and there are wonderful views on Prague from this hotel. So, and we really tried to make it as easy for all of you as possible. So being in the registration form, you just click what parts of the program you would like to participate in. There is the museum night. You can also click which museum you would like to visit, which part of the program of museum night, and of course the excursions, as I was speaking about them, so they are also ready for you, and you will just click if you would like to go to see some UNESCO site, or if you would like to go with the museum retro train from Prague to Brno. And I hope that some of you have heard about the Brno and its School of Museology. And I'm always very happy when I meet someone from abroad and they tell me, oh yeah, I know Prague, but I know also Brno, because I studied there, the summer school of museology in Brno. And it was, for instance, François Marais. He's from Belgium, but he's working, as far as I know, on Sorbonne, and he teaches there the museology. So so that's it, and I think that's the last word. And if you have any question, do not hesitate and write us. We will be very happy to answer you and to help you with the registration or whatever. Okay, thank you so much. Jacques wants to ask a question. Vous m'entendez? Oui. Can hear me? I would like to say thank you to Gina, Martina, and Christina for their nice presentation. That will be a great pleasure to go to your nice city and enjoy your program. En français, préciser à Juliette que malheureusement, la réception prévue le dimanche soir, nous serons un certain nombre à ne pas pouvoir y participer, puisque nous ne disposions pas de cette information au moment des inscriptions. Donc, c'est le cas de Christiane Naffa, d'un certain nombre de collègues. On arrivera uniquement le lundi matin. Voilà, désolé, on ne pourra pas être là le dimanche soir. Mais vous nous raconterez. Voilà, on merci. Racontera, c'est dommage parce qu'on l'a dit au conseil d'administration assez tôt, Jacques, mais tu as dû malheureusement pas profiter de l'information en temps et en heure. En fait, ça commence le dimanche, le congrès, donc c'est assez logique. Voilà. Et économiser une nuit d'hôtel malgré tout. Eh oui, je comprends. Oui, je comprends ça. Oui, c'est un petit peu, évidemment, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été, on aura des moments, on fait toujours un dîner, on aura d'autres moments, mais c'est un peu le moment de, comment dire, de diplomatie. Désolé, les billets d'avion sont pris et les réservations d'hôtel également. Voilà, merci, c'est un plaisir de vous voir. À bientôt, merci. À bientôt. Désactive le. Rachel. Merci d'applaudir, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.